Eh bien, salut tout le monde, c'est Blood. On se retrouve donc pour du Forza Horizon 2, donc Fast and Furious, le DLC. Et donc, on s'était, ben, laissé là. Allez! À 400 mètres, tournez à droite. Ouais! Bah, qu'est-ce que tu fais, toi? Je te jure. Tournez à droite. Ces conducteurs, c'est plus que c'était. Hein. Moi qui vous le dis. Faites demi-tour dès que possible. Pourquoi je ferais demi-tour? C'est comme les GPS dans la vraie vie, en fait, ça bug. Allez! À 400 mètres, tournez à droite. Bon. Tournez à droite. Restez à gauche. Restez à gauche, elle a dit. Ok. Ah, plus ce qu'elle avait dit. Ah, mais non, mais mec, quoi. Regarde ce qu'il y a devant avant de. Oh là là, ok, bon, bon, bah. Mon dieu. Il s'en fout. Regardez, dans le sud, ils roulent n'importe comment, les gens. Hein? Voyez? je rigole, hein. À 400 mètres, ça prend en second degré, hein, quand même. Ça conduit follement un peu partout, de toute façon. Donc, Tournez à droite. À 100 mètres, tournez à gauche. C'est une course de rue classique pour voir qui est le meilleur. Tu comptes le laisser passer devant ou lui donner une bonne leçon? Bonsoir, Agneau, merci. Oh hey, n'oublie pas que tu peux utiliser la nitro dans cette épreuve. Ouais, mais j'aimerais bien qu'on m'envoie pas bouler à chaque fois aussi. Oula! Que je fasse quoi? Que je batte tout ce qui est derrière, ok. Ah, pour l'instant, ça commence plutôt bien. Nick qui gratté, excusez-moi. Fais bien attention à passer devant chaque point de contrôle. Ah ben, je l'ai loupé! Mais j'avais pas vu! Ah merde! Bon, là, j'ai pas loupé. Allez, l'accélération là! T'es devant lui! Conserve ta position! Pousse-toi, toi! Et c'est gagné. Non, je veux pas! Ok, si tu veux pas. Ah, mais non! Bon, bah tant pis. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi! J'ai fait n'importe quoi! J'ai tué la nitro quand il s'est déporté sur moi. Bon. Allez! Bon, ça. On est déjà à la fin! Ça allait vite là! Ça allait vite! Très vite même! Ah là là! C'était la dernière voiture, mec! Ouais. Impressionnant! Impressionnant! On a toutes les voitures de la liste! Je vais passer quelques coups de fil et organiser le rapatriement. Ok! Bah, passe quelques coups de fil alors. Vas-y. Organise tout ça. En fait, c'est le Mac des voitures, le mec. Enfin, le garagiste ou je sais pas quoi. J'arrive pas à reconnaître qui c'est. Waouh, cette caisse déchire. Un peu comme moi. Oh, comment il se la pète, quoi. Ah, y a pas de succès pour celle-là?
ça alors? J'aurais cru. Bah allez, on va la prendre. À rouler avec. Oui. J'ai fait venir des gars pour emmener les autres voitures à l'aérodrome. Ce sera un sacré convoi. Maintenant, voyons qui battra cet avion. Ok. Bien, c'est parti. Essayons de battre cet avion. Vous êtes arrivé à destination. Ah bon. Cette caisse a tout pour plaire, mais elle est pas faite pour cette épreuve. Prends-en une autre. Ah bah, si on peut même pas rouler avec la nouvelle caisse qu'on a gagnée, hein. Putain. On va rouler avec la caisse que j'aime pas, la caisse de Fast and Furious. Voilà comment ça va se passer. Mon pote est dans cet avion pour récupérer les caisses. Le truc, c'est qu'il est interdit de vol dans l'espace aérien français. Ce qu'on va faire n'est pas vraiment légal, donc ces caisses doivent arriver à l'aérodrome sur le champ pour qu'ils puissent repartir dès le chargement terminé. Pigé ? Pigé ! On a toutes les caisses en... Ok. Oh, qu'est-ce que je fais? Yes. J'ai plus l'habitude de celle-là. Je vais reprendre ici pour être un peu plus safe. Voilà. Allez, je compte sur vous, hein. En plus, il y a Monsieur Coty, là. Ah mais si je rentre dedans aussi. Oh, ouais, je suis passé par l'intérieur là. Oh putain. Je vous dis, quand il y a un avion qui passe, ça vibre et ça bouge votre véhicule. Hein. Ça rigole pas l'avion. N'importe quoi. Allez, on se pousse. Ça vibre. Toujours le stress entre ces trucs là. Ils vont tellement vite en fait que... Voilà, c'est pas ce qui est plus évident, on va dire. Peut-être un peu trop coupé. On verra bien. Voilà, ok, allez par nous là. Ah, c'est un peu nitro pour la ligne droite là-bas. Je pense que ça sera la dernière. Et c'est assez chiant là parce que... C'est les voitures à gérer plus l'avion quoi. Alors que c'est l'avion qui compte mais... La spi là. Par l'intérieur. C'est bon. Oh non! J'ai touché. J'ai touché. Putain, il va me remettre dans le virage. Ouh, ça va être tendu. Voilà. Allez. Allez.
Et on y croit. On y croit. Ouais. Oh oui. Magnifique. C'est vrai. Ça y est, on a réussi. Ma bande et moi, on a tout le matos qu'il nous fallait et toi, tu t'es fait des amis pour la vie. Tu peux me croire. On l'aurait jamais fait si t'avais pas été aussi doué. Mais te sauve pas, il reste encore pas mal de choses à faire au Festival Horizon. Ça devrait bien t'occuper jusqu'à ce que je refasse appel à toi. Bonne chance. Si ça te dit, rends-toi à Horizon pour en savoir plus. Ah, mais j'ai déjà le jeu, juste que j'ai pas l'édition numérique. Bon, rien du coup. Du coup, nous on a fini. Ah, c'est pour refaire toutes les courses. Et ben, on a terminé le DLC. On a terminé le DLC. L'ennui, c'est que on est à 11 minutes. L'ennui. C'est un peu ennuyeux, vous trouvez pas? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait. Un peu ennuyeux, là. Parce qu'on pourrait. Non. Ben non, on a terminé. Hein. Ça, on a tout fait. Ouais, c'est ça, on a tout fait. On a tout fait. Ouais, du coup, j'ai pas grand chose à dire ni à faire là. Ouais. C'est pas un panneau là. Oh. Ah, il est en dessous. Ah! Bim! Bien. Ces panneaux bonus d'Horizon sont placés tout autour de Nice. Je crois qu'il y en a 20. Et une belle récompense t'attend si tu les détruis tous. Oh, on va peut-être pas détruire les 20 quand même. Ah non, c'est bon. On va aller détruire celui-là, histoire de. Mais bon. Franchement, quand on a terminé le jeu, on va pas faire grand-chose. Mais qu'est-ce que je pourrais vous dire, moi? À part le fait que j'évite des avions. On va chercher ce qu'on pourra faire d'autre un peu. Oui, alors de base celui-là. Bah je sais ce qu'on va se dire, hein, puisqu'il n'y a pas de crédit. Donc on va se dire tout là-dessus. Alors, de base le jeu, je voulais le faire dès sa sortie en fait. Et je n'ai pas pu. Pourquoi? Parce qu'en fait, mais vous, j'avais un boîtier Avar Media Extreme Cap U3. Donc il était tout neuf, hein, le boîtier, il a quoi, il y a quelques semaines, ouais, il y a quelques semaines, je crois, oui, à peu près quelques semaines, voilà, et en fait, il n'est pas stable, il n'arrête pas de planter, alors que tout est à jour, hein, les ports USB sont à jour, sur ma carte mère, j'ai de l'Intel et de l'Avar Media. Et sur les deux périphériques, ça plante, donc de façon random, comme ça, genre, tous les X temps, en fait. Ah donc, du coup, j'en avais un peu marre de faire des vidéos console, parce que, qu'est-ce que tu fais, quoi? Parce que, toi aussi, t'en as marre? Il en a marre de la vie, chacun son truc. Parce qu'en fait, eh bah c'était chiant, parce que au niveau du montage, je devais regrouper plein de vidéos pour en faire qu'une. Et même au niveau du gameplay, à chaque fois je devais appuyer sur le bouton menu de la manette pour que ça mette le jeu en pause tout de suite et pour ne pas que vous loupiez des éléments du jeu. Alors bon, du coup, je vais pas dire ce que je vais faire comme let's play parce qu'il est possible que je mette le prochain let's play avec celui-là. Donc je ne dirai pas, vous verrez bien. Donc du coup, le Fast and Furious, je ne le fais que maintenant. What? Vous êtes arrivé à destination. Te fous de ma gueule?
se fout dans ma gueule, le jeu. Ok. C'est bon. Tu me parraineras pas. Je te parrainerai. Jusqu'au bout du monde. Allez. Il est où? Il est là. Quoi, ce bruit, c'est une tondeuse? Non, c'est le véhicule qui passe. Ok. Et donc, le prochain est là. On va pas tous les faire, hein. C'est juste histoire d'en prendre quelques ans en parlant. Alors, ce que j'ai pensé, sinon, de ce DLC. Alors, déjà, du fait qu'il coûte 0 euros pour le moment, jusque je ne sais plus quand, je crois que c'est le... Prenez la deuxième sortie. Quelque chose vers le 20 avril, une connerie comme ça, bon, je suis pas très sûr. Mais si vous avez une Xbox One, même si vous n'avez pas le jeu original, allez dans les DLC parce que c'est un stand-alone en fait. Vous êtes et téléchargez-le. Parce que bon, c'est gratuit. Et vous avez quoi faire. Ça, c'est gratuit. C'est gratuit jusqu'au moment où ça sera à 9,90€. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, ça reste. Bah, c'est Forza, quoi. Bon, après, ils ont un peu vendu le truc, genre la Fast and Furious, machin, blablabla. Alors, ouais, ça sert de prologue au film. Ok, si vous voulez. Mais tout ce qu'on a fait, en gros, je pense qu'on aurait pu s'en passer de savoir tout ça. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a fait. On a rassemblé 10 véhicules. Qu'on a mis dans un avion cargo. Voilà. En gros. Super prologue. Moi, je m'attendais, je sais pas, une petite histoire, tout ça. Machin. Alors, au final, on a un truc fait à la va-vite. Voilà. Après, c'est ce que je trouve. Hein. C'est ce que je pense. Hein. Après, vous pouvez penser autrement, les gens pensent autrement. Mais pour moi, on a un jeu fait à la va-vite, au final. Enfin, un jeu, un DLC. Non. Oh, je fais partie des meilleurs 50%. Et donc, je trouve ça dommage, parce que ça aurait pu en faire quelque chose, un jeu de folie, un Fast and Furious, mais en jeu. Ça aurait été sympa, tout ça. Et là, au final, on a un petit truc. Enfin, je trouve que... Bah, en plus, Forza Horizon 2, franchement, il est... énormissime comme jeu, énormissime. Je pense qu'on aurait pu nous faire quelque chose de génial. Enfin, basé, s'ils nous font un jeu Fast and Furious basé sur Forza, je pense que ça pourrait être épique. Que la conduite elle est géniale, elle est paramétrable pour tous les goûts. Que vous soyez bon ou pas en jeu de course, vous pouvez jouer à Forza, il n'y a pas de problème. Juste aller dans le menu, vous pouvez activer tellement de trucs, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même conduire limite sans manette, quoi. non, c'est pas visé, mais pas loin. Voilà. C'est en plus, les graphismes sont jolis, franchement. C'est beau, c'est pas... Pour un monde ouvert, hein, franchement, plus joli que The Crew. Bon, après, c'est plus petit que The Crew. Hein. Faut pas abuser, mais... Mais c'est vrai que... Je préfère de loin Forza qu'un The Crew. Malheureusement. Parce que pour moi, The Crew, ça reste au final un jeu de... Un jeu de touriste. Je ne cache pas, mais... Voilà. Alors, où est l'autre panneau? De toute façon, c'est que ceux qu'on passe à côté, je suppose. Bon, on va faire celui-là. Voilà. Donc finalement, alors oui. Demi-tour dès que possible. Pourquoi tu me mets deux bandes? Pourquoi cette connerie? Bah c'est pas la bonne bande. Alors sinon qu'en pensez de ce DLC? Bah disons que c'est gratuit, donc je vous dirais de foncer. Par contre, s'il faut claquer 10 euros. 10 euros pour ça. Pas pour ça, hein. Désolé. Hein. Bon, ok, au niveau... C'est assez réglo quand on voit les autres DLC au niveau des tas. Ah non, peut-être pas quand même. Regardez Border, c'est beaucoup plus long. Il est bien, ce DLC Borderlands de Pratical. Franchement, il est pas mal. Moi, sinon, je vous dirais non, ne l'achetez pas. Hein. Ne l'achetez pas.
téléchargez-le gratuitement parce qu'il est sympa. Mais de là à acheter ce DLC. Achetez plutôt Storm Island. Storm Island qui est mieux, je trouve, parce qu'il rajoute genre beaucoup d'intempéries. Franchement, c'est assez chaud en mode difficile. J'ai pas mal galéré. Après le genre lui-même, achetez-le parce que si vous avez une Xbox One et que vous n'avez pas le jeu et que vous voulez jouer à un bon jeu de course, foncez. Parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Quand même du côté PlayStation, Drive Club, c'est pas bon quoi. C'est pas bon par rapport à Forza. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Je possède les deux hein, pour juger. Sinon bah j'ai rien d'autre à dire hein, sur ce DLC. Je ne dirai pas grand chose. Il est où le truc? Il est là. Vous êtes arrivé à j'ai détruit un sixième panneau. Bah tant qu'on y est, on va détruire ces quatre là. Et puis on va sûrement se laisser. Oh, il y en a un là, tiens. Je l'avais pas vu. Caché. T'es caché. À 200 mètres, tournez à droite. Non, faut aller voir aussi le cadeau que j'ai reçu. Oh, bah. À 200 mètres, tournez à gauche. Je pourrais... Ah oui, bah, je pourrais parler des autres jeux. Tournez à gauche. N'allez pas croire que je ne vais pas finir République Remastered. Je vais le faire, bien entendu, l'épisode 3. J'ai regardé d'ailleurs, il y a eu une nouvelle mise à jour de 500 MO. Vous êtes arrivé et à je m'étais dit... Ah bah 500 MO, ça veut dire nouvel épisode et tout. Mais non. Mais non. Pas de nouvel épisode. Alors oui, je retournerai faire l'épisode 3, ne vous inquiétez pas. Je vous laisse le suspense et tout. Le vrai salaud, quoi. Je vous laisse. Oh boy, tellement de jeux. Enfin, c'est un jeu en épisode. C'est pas très grave si on le met de côté et qu'on y rejoue après, je veux dire. À rigueur, c'est pas... Vous avez le résumé et tout, quoi. Bon, par contre, c'est vrai, Cory. Hein, faudra que je m'y remette. Parce que là, ça fait une semaine, le pauvre... la pauvre. Faites demi-tour dès que possible. Pour que je fasse demi-tour. Non, c'est moi ce que tu me dis là. Pour faire demi-tour. C'est là le truc. Non ? Bah si, c'est là. Ok, ils se détruisent pas, ça là. On va aller chez le tailleur. Faire tailler une nouvelle voiture. Hop, et on va aller là. Là. À 200 mètres, tournez à droite. Ah oui, Ori, oui, je vais leur prendre, Tournez à droite. Je sais que je l'ai mis de côté parce qu'il m'a énervé un peu sur un niveau. Ne vous inquiétez pas, hein, je me force pas. Vous êtes arrivé à destination. De toute façon, je finis toujours, Une fois que j'ai commencé un jeu, même si le jeu je l'apprécie pas hein, ou je l'apprécie moins, et ben je le finirai quoi qu'il en soit. Puis de toute façon, oui, je peux pas dire ça parce que c'est un jeu énormissime. Bon, y a rien à dire. C'est juste moi qui ne suis pas super doué sur la plateforme, donc j'y ai l'air un peu. Donc, oui, vous inquiétez pas, ce sera. Oui, il faut juste attendre un peu. Je fête un peu les jeux consoles parce que si vous voyez depuis le. Oula! Voilà. Depuis le. On va peut-être se laisser pour gagner les 7700. Voilà. Il y avait un truc là? Ah oui. Ok. Parce que bon. Bon, puis je dis ça, mais en fait, j'ai envie de les enchaîner. Alors, si on enchaînait ce qu'on voit. Hein, après tout. De toute façon, on est à combien là? Là, 24 000. Ah, c'est chaud, j'ai fait qu'il y a bien. Puis il faut battre Toons quand même. À pas se laisser là. On va voir. Non mais. Là, je me demande c'est quoi le super truc qu'on doit avoir.
toute façon, j'aurais pas les j'aurais pas les 20. J'aurais pas les 20 puisqu'on est qu'à 11 et là-bas, il y en a pas énormément. Putain, cette pluie. Voilà. Non, je sais pas pourquoi je freine toujours ici. Bah si, parce que le tracé dit vas-y freine. Ah moi je veux bien, mais ouais, y a peut-être raison, c'est peut-être pour mieux négocier le virage après. C'est vrai que ça prend plus, ça existe, mais chose de malade. Alors. On est jeunesse, on est jeunesse. 1,4 km. Ça y est, je regarde ailleurs, du coup je prends mal le virage. Toujours, c'est le béaba de la conduite de bloc. Béaba. Vous le voyez partir en couille, vous pouvez être sûr qu'il a regardé ailleurs. Souvent dans les jeux de voiture d'ailleurs, c'est le chien oublié de tourner. Alors là, ça m'arrive tellement souvent ce genre de truc. Vous êtes arrivé à destination. Mais, où est le machin? J'ai pas compris. On va prendre celui-là. Ah, je pas pédé. What? Attendez. Je suis pas arrivé. Ok. Alors, je suppose que pour l'avoir, celui-là, il va falloir monter là-dessus. Voilà. Prendre sûrement un élan de folie. Hein? Ah non, mais je sais plus si c'est... Ok, bon, on va voir. Pourquoi upload? Ah non! Je fais trop vite. Donc c'est pas un élan de folie. Non mais il me fait pas des uploads de vidéos quand je... C'est un truc. Bon sang. C'est quoi cette console? Qu'un respect pour son utilisateur. Hein. Si je fais tout doux. Non, c'est juste ça marche pas. Il y a une certaine vitesse. Ok, j'étais bloqué. Bon ok. Ah là là, bon, on va rester là, on va rester. Je vais pas m'avouer vaincu là-dessus, quoi. Ouais, mais c'est merde. Attendez. Alors comme ça, ça devrait être bon, non? Non! Purée. Allez, on peut le faire. On peut le faire. Faire. C'est bien parce que j'arrive pas à un truc et comme j'ai pas grand chose à dire. Et voilà, bim! C'est le bordel. C'est le bordel. Alors, qu'est-ce qu'il y a? L'autre est ici. Alors, pour avoir celui-là. Faites demi-tour dès que possible. Ben, c'est bon quoi. Demi-tour dès que possible. Qu'est-ce que je veux que je fasse demi-tour? Ça sert à rien de faire demi-tour. Hein. Alors le truc, je sens la connerie. Ah c'est ça en fait, il est... Ah non, mais il est en dessous. Il est au-dessus. S'il dit, ça sent la connerie. Eh ben en fait, non. Ça ne sent pas la connerie du tout. Je suis à 13. Hein? Attendez. Ah, il est là. 14. Numéro 15. Numéro 15. Ouais. Magnifique. Et maintenant. Maintenant parce que. Et maintenant, ben maintenant on est niqué. Il n'y en a pas d'autres d'affichés. Faudrait se promener sur la map. Faudrait se promener sur la map. Donc nous on va s'arrêter là. Je vous souhaite. Une bonne journée ou une bonne soirée, je ne sais pas quand arrivera cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye bye les loulous.